Mes chers amis, mesdames, messieurs, quel bonheur de vous retrouver aussi nombreux. J'ai l'impression encore plus nombreux que l'année dernière. Je vois que beaucoup de personnes sont debout. Je suis sincèrement désolée. Je sais que c'est une joie, un bonheur, et vous faites de ce moment un moment unique pour nous. Merci de votre présence, merci de votre chaleur, merci de votre amitié. Depuis des années, nous avons la chance de pouvoir compter sur vous. C'est quelque chose d'exceptionnel. Je voudrais remercier et saluer chaleureusement pour leur présence toutes nos associations, nos clubs sportifs. Vous les avez vus dans le film qui a été présenté. C'est une commune dynamique, une commune où il fait bon vivre. Et c'est une chance d'avoir un réseau associatif aussi important et aussi dynamique. Je voudrais saluer aussi les associations qui nous ont accueillis et les remercier tout particulièrement, avec tout d'abord les Chœurs du Sud. Merci à eux, c'était exceptionnel. Quelle fierté de voir cette chorale qui nous a accompagnés à Noël, qui nous accompagne dans tous les temps forts de la commune, qui intervient dans différentes communes du département. Quelle joie d'avoir une chorale qui porte bien son nom, la Chorale du Sud. Ensuite, un violoniste exceptionnel, Nicolas Samu, vous l'avez vu. Il a un talent fou. Nous avons la chance de l'avoir chaque année avec nous et c'est toujours une grande joie. Je voudrais remercier la confrérie des mimosistes avec une pensée particulière pour le président Livernet qui nous a quittés en fin d'année. Les remercier parce qu'ils sont fidèles et le mimosa, c'est déjà pour nous le printemps, c'est un moment de soleil. J'aurai l'occasion d'en dire quelques mots dans un instant. Merci à Loumiedjou, les traditions provençales qui sont chères à notre cœur. Merci au Jazz Band du Canet qui nous accompagne depuis tant d'années et qui a maintenant un répertoire assez fabuleux et toujours très, très gai, qui se balade dans nos villes jumelles avec beaucoup de talent. Un grand merci à nos porte-drapeaux. Porte-drapeaux, c'est une joie et un honneur de les avoir avec nous sur toutes nos manifestations. Ils incarnent tellement le respect que nous devons à notre pays et à tous ceux qui ont courageusement combattu pour défendre nos terres. Bien entendu, je remercie toutes les associations qui sont ici. Elles sont trop nombreuses, je ne pourrais pas les citer. Je voudrais saluer aussi les représentants des corps constitués. Yves, notre maire l'a fait en parlant bien entendu de la police nationale, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, tous ces acteurs qui font que notre société est une société à la fois qui peut compter sur une solidarité et sur beaucoup de courage de ces hommes et de ces femmes qui s'engagent pour nous défendre. Merci beaucoup. Je voudrais remercier enfin les très nombreux élus qui sont ici avec nous, des adjoints, des conseillers municipaux de différentes communes de ce département, toujours fidèles, toujours présents. Les conseillers départementaux, je vais en parler dans un instant. Notre conseil municipal, nos élus qui font un travail remarquable, avec un engagement exceptionnel depuis tellement d'années. Et puis... On va féliciter leur successeur, puisque nous avons le Conseil municipal des jeunes qui est là aussi, que je remercie. C'est une joie aussi de pouvoir impliquer des jeunes avec nous, les intéresser à la vie de la commune et surtout les motiver pour beaucoup de projets. J'ai eu le plaisir de tourner dans différentes communes de ce département pour les vœux et j'ai vu qu'à chaque fois, la relève était là, assurée, avec des jeunes qui non seulement sont présents, assistent à tous les événements avec un grand sérieux, mais qui en plus proposent beaucoup de choses pour notre jeunesse. Et quel plaisir de les avoir à nos côtés. Ensuite, eh bien, vous voyez cette magnifique tribune avec des élus, soit qui représentent leur maire, soit qui sont des élus maires et conseillers généraux, conseillers régionaux, et sénateurs et députés. Je voudrais saluer Sonia Fréjac, qui est la première adjointe. Je la vois, elle est ici, de La Roquette. Sonia Fréjac qui représente son maire Christian Ortega, qui a des petits soucis de santé, on pense très fort à lui, on l'aime beaucoup. Et je voudrais dire à Sonia Fréjac que je la retrouve avec beaucoup de plaisir en tant qu'élue, puisque pendant de nombreuses années, elle a été enseignante dans notre commune, et ça a toujours été un plaisir d'échanger avec elle et d'avoir cette vision qui est nécessaire pour travailler avec notre jeunesse. Merci Sonia de votre présence. Aux côtés de Sonia, donc, il y a Hervé Romano,
Vous pouvez vous lever et qu'on vous applaudisse, voilà. Hervé Romano, c'est un ami fidèle, présent depuis de nombreuses années à nos côtés. À l'époque même, quand j'avais dans la chance d'avoir dans ma circonscription un territoire du haut pays de Grasse. Et Hervé a toujours été présent avec Claude Sépi, qu'il représente, son maire aujourd'hui. C'est la commune de Saint-Auban. Un grand merci à vous tous et merci, cher Hervé, de ta présence. Aux côtés d'Hervé, Annie Fraîche, le docteur Annie Fraîche, que pour certains d'entre vous, vous connaissez, puisqu'elle a été de nombreuses années à l'hôpital de Cannes. Elle connaît parfaitement les problématiques de santé. Elle est une élue impliquée à Moinsartou. Nous étions vendredi soir ensemble pour la cérémonie des vœux. Eh bien, je suis très heureuse, chère Annie, de vous avoir avec nous aujourd'hui. Un autre élu que je voudrais mettre à l'honneur, qui représente son maire, Georges Botella, qui est premier adjoint de la mairie de Théoule-sur-Mer. Je voudrais le féliciter. En dehors de l'amitié qui nous lie, du travail qu'il fait, je voudrais lui dire que je suis très fière parce que ça fait partie de ces hommes et de ces femmes qui s'engagent, et il l'a fait depuis longtemps dans la réserve de la marine, et il a été récemment nommé capitaine de corvette. Donc, capitaine, nous sommes très fiers de vous avoir avec nous. La prochaine fois en tenue, Emmanuel. À côté d'Emmanuel, elle est dynamique, elle est efficace, elle fait un travail remarquable. C'est la régionale de l'État parce qu'elle a quand même de la famille au Canet. Mais je voudrais lui dire que je suis toujours très heureuse de la voir, à la fois ici et parfois dans l'avion pour Paris. C'est Valérie Copin, elle est première adjointe au maire de Grasse. Elle représente Jérôme qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais elle fait partie de ces élus fidèles qui partagent la mission de Jérôme et donc transmet-lui nos amitiés. Un autre maire à ses côtés, donc, qui connaît parfaitement cette salle de la Palestre, parce qu'il l'a surveillée pendant longtemps, il est maire de Rigaud, il s'appelle Francis Moya, c'est un fidèle parmi les fidèles. Merci Francis de ta présence. À tes côtés, Francis Marino Cassé. Voilà, Marino, grand spécialiste aussi de la sécurité, parce que c'est son métier, son engagement. Mais il est maire de Garce, une merveilleuse commune du haut pays grassois. Et donc, nous sommes heureux de l'avoir. Il est présent chaque année, à la fois comme maire, comme vice-président de la communauté d'agglomération aux côtés de Jérôme Viau. Cher Marino, nous sommes heureux une nouvelle fois de t'accueillir. Nous continuons. Et oui, je n'ai pas osé dire voilà, qu'il y avait une formidable fontaine qui normalement est là pour qu'on prenne un verre d'eau. Mais bien souvent, lorsqu'on va à Garce, il y a de l'eau, mais il y a du Ricard aussi ou du pastis, voilà. Et ce n'est pas très raisonnable. Donc, comme je ne bois pas, en tout cas de pastis, je peux conduire pour ramener mes troupes voilà, sans être ennuyée par des contrôles éventuels. Voilà, donc nous avons Jean-Marc Marcario. Bon, écoutez, Jean-Marc et son cousin, j'en parlerai tout à l'heure, ont été à mes côtés depuis le début de mon engagement dans cette merveilleuse circonscription. Ce sont des fidèles. Jean-Marc a gagné de beaux combats politiques. Il a été toujours extrêmement courageux. Il est maire de Spéracède. Il est vice-président de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse. Mon cher Jean-Marc, je t'aime. À ses côtés, je vous en parlais, donc ils ne se ressemblent pas trop, mais ils sont cousins, cousins germains. C'est Christian Zédé. Christian Zédé, donc, qui a mené aussi un beau combat qu'il a gagné. Il est maire de Saint-Césaire-sur-Siagne, vice-président de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse. Il faisait ses vœux hier, mais surtout, il inaugurait un espace culturel exceptionnel. Et je voudrais le féliciter parce qu'il avait un monde fou, que ça s'est merveilleusement passé et qu'il a comme ça un outil pour ce haut pays grassois. Donc bravo, cher Christian. Ensuite, on va passer au deuxième rang, avec Didier Carretero, que vous connaissez, qui est élu au Canet, conseiller départemental. Et donc, vous le savez, il est en binôme avec sa voisine, Fleur Frison-Roche, conseillère départementale également, mais elle est adjointe à Mougins. Voilà, c'est un binôme qui veille et qui transmet nos demandes ensuite à Eric et à Charles-Ange pour tous nos dossiers. Aux côtés de Fleur, nous avons David Konopnicki, qui lui aussi est très impliqué. Je sais qu'il travaille main dans la main avec Michel Paganin
pour les dossiers de la vallée de la Siagne. Merci David, donc tu as également des responsabilités bien entendu au conseil départemental et à Mandelieu, et comme ça tu fais le lien. Une amie fidèle et ancienne aussi, Michèle Olivier, qui est conseillère départementale, qui est le binôme de Jérôme, un tandem formidable, et voilà, c'est quelqu'un qui sait se faire aimer, que nous aimons tous, et qui a toujours une présence bienveillante pour nous tous. Merci Michèle de ton soutien, de ta présence et de ton amitié. Je suis très heureuse d'accueillir à tes côtés la sympathique et souriante Françoise Thomel. Elle est conseillère départementale, adjointe au maire d'Antibes. Antibes a bien choisi, voilà, son élu. Et donc, forcément, eh bien, avec un caractère comme ça et une envie d'être sur le terrain, eh bien, elle a trouvé des électeurs pour la choisir, pour représenter les intérêts de son canton au département. À ses côtés, Michèle Paganin, une battante, une championne, qui est vice-présidente du département, qui est maire d'Auribeau, vice-présidente de la communauté d'agglomération, chère Michèle, que j'aime beaucoup, et qui, elle, accueillera sa cérémonie de vœux le 27, et je serai à tes côtés, je sais, le 28, pardon, et je serai à tes côtés, je sais que beaucoup d'élus d'Auribeau t'accompagnent pour ce moment important, enfin, bon, en tout cas, pour notre cérémonie. Ensuite, eh bien, toujours la vallée de la Siagne, il y a une équipe d'une efficacité exceptionnelle, c'est Florence Simon. Chère Florence, maire de Pégoma, vice-présidente de la communauté d'agglomération, je voudrais la féliciter parce qu'elle a un dynamisme exceptionnel, elle fait un travail remarquable là aussi avec son équipe qui est venue aujourd'hui. La féliciter parce que nous travaillons main dans la main, je vous en parlerai tout à l'heure, et je pense qu'elle peut être fière de ses mimosistes parce que, eh bien, ils ont touché, le Notre-Dame, voilà, on le dira tout à l'heure. Ensuite, au premier rang, Monsieur Serge Amard. Alors Serge, c'est quelqu'un qui a une place un peu particulière ici. À la fois parce que c'est le plus canétant des Antibois, on n'en dit pas plus. Et surtout parce qu'il a, bon, il est efficace, il est conseiller, vice-président de la région, c'est quelqu'un qui est impliqué aussi aux côtés de Jean Leonetti depuis très longtemps, et il a un papa qui est adorable et que j'aime beaucoup, donc je suis heureuse de le saluer, de lui demander de transmettre toute mon affection et toutes mes amitiés à son père, à Albert. Voilà. Ensuite, un autre vice-président très efficace, Jean-Marc Delia, qui a fait quelque chose d'assez exceptionnel. Il a abandonné une subvention pour la donner à une autre commune, à la région. Vous voyez, donc c'est vraiment un engagement de vice-président très, très solide. Jean-Marc est vice-président de l'agglomération aussi, aux côtés, premier vice-président, aux côtés de Jérôme. Ils font un tandem exceptionnel. Et nos conseillers régionaux, pardon, sont très engagés. Je les félicite sincèrement. Aux côtés de Jean-Marc, nous avons Sébastien Leroy. Merci beaucoup, Sébastien, de ta présence. Très sensible à ta présence. Je sais que ce n'est pas toujours simple de sortir un dimanche après-midi quand on a eu ses vœux le vendredi. Il y avait énormément de monde. Ça a été un bel événement. Mais c'est vrai que c'est comme ça aussi qu'on tisse des liens d'amitié entre nous tous. Et c'est tellement important pour tous nos combats. Bravo pour ton travail. Ensuite, eh bien, nous avons un voisin qui a eu ses vœux aussi, qui a pratiquement démarré les cérémonies dans notre circonscription, c'est Richard Galli. Merci beaucoup, cher Richard, conseiller régional également de la région Sud, qui est présent avec Christophe Ulivieri, son premier adjoint, et avec de nombreux élus de Mougins que je salue, que je remercie. Richard, toujours présent à nos côtés, et puis maintenant, c'est un peu le monsieur culture de la région, donc on en est ravis, on est très attachés, nous, à la culture au Canet. À tes côtés, cher Richard, il y a une députée avec laquelle nous travaillons sur le harcèlement scolaire, on en a parlé tout à l'heure, Alexandra Martin, qui est députée de la 8e circonscription, et je voudrais la féliciter parce qu'elle démarre son mandat, mais elle s'est engagée et elle a rapidement pris ses marques à l'Assemblée. Ce n'est pas toujours simple, et en tout cas, elle le fait avec une grande détermination. Félicitations, Alexandra. À tes côtés, chère Alexandra, donc il est un monsieur transport vraiment au niveau national maintenant. Il a réussi à marquer ses sujets et en tout cas les faire avancer.
Il fait un travail très important sur la sécurité aussi dans les transports. Je crois que tu as une loi qui va passer dans les prochains jours. Et je voudrais te féliciter en tant que sénateur eh bien, d'avoir à la fois cette présence sur le terrain et le travail remarquable que tu fais au plan national. Et puis, j'ai eu une mission. Mon jeune neveu m'a dit « N'oublie pas de me citer et de citer Marie ». Donc, je le félicite pour son fils, pour sa fille, pour tout ce qu'il fait en famille avec Norma. Voilà, message personnel, je referme la parenthèse. Aux côtés de Philippe, je suis heureuse, très heureuse d'accueillir le député de la première circonscription, président de la commission des finances, représente le département et qui également est un questeur actif à l'Assemblée nationale. Il a des fonctions politiques, vous le savez tous, puisqu'il préside le parti auquel j'appartiens et qui me tient particulièrement à cœur. Mais je voudrais le féliciter parce que ces combats sont des combats difficiles et donc il est sollicité dans tout le département. Il a souhaité être avec nous aujourd'hui. Eric, merci beaucoup de ta présence et merci de ce que tu fais pour notre département et pour notre commune. Enfin, je terminerai. Alors, il va trembler. Non, mais je suis moins taquine que lui. Je terminerai par Yves Pigrenet. Voilà, c'est une amitié ancienne. J'ai commencé la politique il y a quelques années maintenant. Eh bien, dès le départ, j'ai proposé à Yves de venir me rejoindre parce que nous avons immédiatement matché, comme diraient certains. Et c'est vrai que notre amitié, notre complicité nous permet de travailler ensemble depuis tellement d'années. Dans un sens ou dans un autre, on a été donc tous les deux complémentaires sur nos missions. Nous avons la même passion de la culture. Il est en plus, lui, ce que j'étais pas moi, mais l'ami des vedettes, il vous a dit, Charlotte Julien, tous les acteurs qui viennent le voir régulièrement. Et il a du talent, de l'attention pour les autres. Et il est un chef d'équipe qui est tout à fait dans l'esprit de ce que nous aimons, c'est-à-dire quelqu'un qui aime travailler en équipe. Et c'est ce qui me tient à cœur et c'est ce qui nous tient à cœur, mes chers amis. Donc c'est une joie de partager l'action municipale avec lui et d'être dans nos différents projets, toujours en phase. C'est une grande chance. Je crois que c'est assez rare dans la vie politique pour que ce soit souligné. Merci, cher Yves. Mes chers amis, quelle joie de vous voir une nouvelle fois si nombreux pour partager ce moment précieux. Je le disais tout à l'heure, c'est tellement exceptionnel. Vous le savez, cet instant que nous partageons, ce n'est pas une cérémonie des vœux comme les autres. Ici, au Canet, nous avons fait de cet événement un moment de rencontre, d'amitié et de partage. C'est un bonheur toujours aussi fort de pouvoir, à l'issue de ce discours, entonner la Marseillaise, saluer nos porte-drapeaux, toujours fidèles à ce rendez-vous, puis venir à votre rencontre pour échanger un mot, un sourire. Alors, du fond du cœur, je voudrais remercier tous ceux qui en font une fête exceptionnelle. Merci à vous tous qui faites le succès à nul autre pareil de ce rendez-vous. Je crois que peu de communes peuvent se réjouir d'avoir autant de participants pour ces cérémonies de vœux. C'est une grande chance de pouvoir compter année après année sur votre mobilisation. Croyez-moi, cela nous donne beaucoup de force et d'énergie pour agir à votre service, avec toute notre équipe et bien évidemment avec toi, mon cher Yves, je le disais à l'instant. Je suis très touchée par le message que tu viens de m'adresser. Je veux moi aussi saluer ton engagement de chaque jour. Je suis heureuse de l'équipe que nous formons pour mettre en œuvre le programme municipal. Ensemble, nous continuons à tenir nos engagements. Vous le vivez au quotidien, l'amélioration du cadre de vie se poursuit dans tous les quartiers. Au Canet Centre, la rue de Cannes a été réhabilitée, les travaux de la place Leclerc sont désormais engagés. C'est important pour ce secteur qui accueille beaucoup de touristes, qui accueille de très beaux commerces de la ville, n'est-ce pas, monsieur le maire ? Nous avons aussi lancé les études pour la création d'un parking souterrain, place Jean Jaurès, qui permettra de préserver les espaces verts. À Rocheville, nous avons vécu ensemble un vrai moment de joie au printemps dernier, au stade Maurice-Jean-Pierre. Je sais que Gérard, Christian et les autres sont là. Nous avons inauguré la nouvelle tribune Charles-André-Agny, en hommage à l'ancien grand dirigeant de l'ESCR, ainsi que les terrains qui portent désormais le nom de nos grands champions locaux, Bruno Bellone et Christian Lopez, que l'on peut applaudir. L'écoquartier se poursuit également avec un nouvel îlot qui accueillera un grand parking de 105 places publiques qui soulagera tout le secteur.
Au Mont-Joly, nous avons achevé des travaux de voirie avec un giratoire qui a été créé à l'intersection des Campelières et un parking de covoiturage qui doit être réalisé. À l'Aubarède, un bassin de rétention a été créé à la Palesse pour sécuriser le secteur. Et à Garibondi, le chemin du Carimaï a lui aussi été embelli avec l'aide du département, cher Eric. Ces réalisations poursuivent un seul objectif, agir à chaque instant pour améliorer encore plus notre cadre de vie. Évidemment, tout n'est pas encore parfait. Nous ne pouvons pas immédiatement satisfaire toutes les attentes, même si nous faisons toujours notre maximum avec beaucoup d'écoute, avec un travail sur le terrain, je crois, qui est primordial pour nous. Certains voudraient parfois que les choses aillent plus vite ou plus loin, mais au fond de nous, collectivement, nous pouvons vraiment nous réjouir d'avoir la chance de vivre au Canet. Une commune où il fait bon vivre. Je parle souvent avec beaucoup d'élus d'autres départements. Leur problème, ce n'est pas de savoir comment améliorer la qualité de vie de leur commune, mais de trouver un moyen d'enrayer son déclin contre tout ce qui menace notre société. La paupérisation, les violences, les trafics, les points de deal, les zones de non-droit, la perte d'autorité de l'État. Voilà les défis auxquels sont confrontés bien trop de nos concitoyens aujourd'hui en France. Alors oui, nous avons la chance de vivre au Canet. D'abord parce que c'est une commune sûre. Évidemment, la délinquance existe et chaque acte subi est un acte de trop. Mais nous faisons tout, jour après jour, pour la faire reculer. Avec notre remarquable police municipale, avec notre réseau de vidéoprotection qui est très développé. Nos crèches, nos écoles, nos bâtiments publics, nos rues sont sécurisées en étant directement reliées à la police municipale. Grâce à cela, le Canet est la ville la plus sûre de notre région et l'une des plus sûres de France d'après un récent classement national. C'est un résultat dont nous sommes très fiers. Nous avons aussi de la chance de vivre au Canet parce que c'est une ville solidaire. Tout au long de l'année, nous proposons des événements ouverts à tous, pour les seniors et pour les familles. Nous y sommes très attachés. Nous soutenons nos associations caritatives qui font un travail exceptionnel pour apporter un soutien à ceux qui sont dans le besoin. Nos services à la population sont eux aussi très développés dans tous les secteurs. À l'image du bus aidant qui sillonne les quartiers pour vous aider dans vos démarches, Yves en parlait à l'instant, il a déjà accueilli plus de 5000 administrés et je sais qu'il est très apprécié. Tout comme le nouveau centre médical de SOS Médecins qui vient d'ouvrir sur le boulevard Gambetta, il vise à répondre aux difficultés d'accès aux soins qui existent partout en France, notamment le soir et le week-end, comme le fait Asurgence à Rocheville. Nous avons de la chance de vivre au Canet, aussi parce que c'est une ville dynamique et une ville sportive. Le succès de l'Urban Trail en septembre dernier et l'arrivée prochaine d'une nouvelle épreuve cycliste le rappellent. Alors merci à nos clubs qui nous font vivre de si belles émotions. Merci à nos champions de France, nos Hornets du Handi Basket, du Canet autour d'Alexandre Farrugia, que l'on peut féliciter, applaudir. Nos basketteurs qui ont conquis le titre de National 3 et qui font une très belle saison en National 2 avec leur nouvelle tribune du gymnase Principiano, cher Yves Crespin. Nos championnes du voléro, le Canet, qui nous ont rendus si fiers avec leurs deux titres, chère Yelena, chère Stas. Et merci aussi à tous ceux qui, dans nos différents clubs et dans leurs différentes disciplines, ont remporté des titres en France et en Europe. Merci à l'ESCR Foot, au ping-pong, au tennisman, au cyclisme, aux arts martiaux et à la boxe de notre ami Gilbert. Il y a tellement de clubs sportifs dans notre commune. Je ne peux pas tous les citer, mais je les remercie et je les félicite. Grâce à vous, notre ville de 42 000 habitants est un haut lieu de sport avec de belles reconnaissances. Nous venons de recevoir le label des villes actives et sportives qui consacre tous nos efforts. Mais aussi, quelle joie de savoir qu'Alexandre Farrugia, Karine Salinas, nos grands sportifs, ainsi qu'une canitane qui a beaucoup fait pour le sport, Annie Courtade, vont avoir l'honneur de porter la flamme olympique. Quelle fierté et quelle joie pour nous. Félicitations, nos cœurs battront à l'unisson des vôtres pendant ce moment exceptionnel. Mesdames et messieurs, enfin, si nous avons la chance de vivre au Canet, c'est aussi parce que nous sommes désormais une destination culturelle de référence. Autour de la rue Saint-Sauveur et de ses métiers d'art,
autour de nos tables de grande qualité avec notre chef étoilé Bruno Auger et nos nombreux restaurateurs installés depuis des années ou parfois plus récemment, enfin même si c'est un retour, cher Fred Vacherier. La culture se déploie aussi autour de nos cinémas d'art et essai, autour de la salle de la Palestre et de ces spectacles de grande qualité qui ne désemplissent pas, et bien sûr autour du musée Bonnard dont les collections ne cessent de s'enrichir et qui accueille une fréquentation remarquable. Elle sera encore plus importante, Yves vous en a parlé, avec le succès du superbe film de Martin Provost sur la vie de Pierre et de Marthe Bonnard. Ce magnifique film a connu le meilleur démarrage du box-office la semaine dernière. Nous avons eu la chance d'accueillir les acteurs et les réalisateurs. Nous avons pu organiser plusieurs avant-premières. Bonnard, son œuvre et sa vie sont ainsi au cœur de l'actualité. Tous les médias en parlent. Des magnifiques livres sont sortis. Il est actuellement exposé à Dallas et bientôt à Washington. Cet immense artiste reçoit une nouvelle lumière tellement méritée. C'est une excellente nouvelle pour notre ville, qui est l'épicentre de ses plus grandes œuvres et qui accueille le seul musée au monde dédié à cet immense artiste. Mesdames et messieurs, ces résultats, nous les obtenons parce que nous nous engageons chaque jour pour notre ville, parfois contre des vents contraires, avec la baisse des dotations de l'État, les augmentations de dépenses qui nous sont imposées, avec aussi les amendes délirantes, parce que malgré nos efforts, nous ne construirons jamais assez de logements sociaux aux yeux de l'État. À l'heure où les autres villes démolissent des tours, on voudrait nous obliger à en construire sur toute la commune et à saccager notre cadre de vie. Eh bien, c'est irresponsable. Mais nous nous défendons. Nous défendons notre territoire contre ces risques avec un maître mot, nous battre encore et toujours pour obtenir des résultats. Se battre pour notre ville du Canet avec l'équipe municipale et nos remarquables agents municipaux, et je voudrais qu'on les applaudisse et qu'on les remercie très sincèrement. Se battre aussi pour notre territoire avec les élus locaux qui m'entourent, pour faire avancer tous les dossiers d'avenir. Réaliser la modernisation de l'hôpital de Grasse, pour lequel nous avons obtenu avec Jérôme Viau 7 millions d'euros d'aide de l'État. Améliorer les déplacements, comme nous le faisons pour l'échangeur de la PAOUT sur la pénétrante Cannes-Grasse, ou pour la sécurisation de la sortie de l'autoroute à Mougins, cher Richard. Limiter les nuisances aériennes que nous subissons, chère Florence, cher Christian Ortega et chère Annie Fréjac, cher Michel Paganin, nous nous battons pour véritablement alléger ces nuisances qui perturbent beaucoup de nos communes. Ou encore soutenir les productions locales de parfums et de plantes à parfums. Et je salue notre ami Massé qui est ici, le président de Prodarome. Merci beaucoup. Il sait les combats que nous menons. Nous avons été ensemble jusqu'à la Commission européenne pour obtenir des succès pour nos plantes à parfum. Oui, mes chers amis, ensemble, nous faisons progresser ce territoire exceptionnel qui mérite tous nos efforts. C'est l'un des plus beaux endroits de France, comme nous le rappelle le magnifique bouquet de mimosa de Pégoma qui a été accroché cette semaine au sommet de l'abside de Notre-Dame de Paris pour marquer une étape importante de sa reconstruction. Quelle fierté, chers amis. Nous sommes heureux. Vous le savez, cette ferveur, cette passion, je la mets aussi au service de notre pays. C'est en pensant à la France et à son rayonnement que j'ai travaillé durant un an pour rendre un rapport sur les relations entre la France et l'Afrique et voir comment mettre fin à notre perte d'influence sur ce continent. C'est en pensant à la France et à nos seniors que nous avons obtenu avec mes collègues Eric et Alexandra une hausse des petites pensions pour près de 2 millions de retraités. Le décret est enfin paru, il était temps. C'est en pensant à la France et à notre sécurité que nous avons exigé une hausse plus forte des moyens de nos armées, alors que la guerre est de retour en Europe et que nous n'y sommes pas prêts. C'est en pensant à la France et à notre modèle social que nous avons imposé 15 heures d'activité par semaine en contrepartie du RSA. C'est évidemment en pensant à la France et à notre nation que nous avons défendu avec force nos propositions sur l'immigration. Je le rappelle, ce texte allait ouvrir les vannes d'une immigration déjà hors de contrôle. C'était un appel d'air irresponsable pour ces filières de passeurs criminels qui profitent de la misère humaine. Avec toi, cher Eric, nous avons mis un terme au projet de régularisation massive. Et ensemble, nous avons profondément durci la loi
en imposant les idées que nous défendons depuis tant d'années. Combien de fois avons-nous dit qu'il fallait changer la loi pour expulser les délinquants étrangers qui n'ont rien à faire en France ? Combien de fois avons-nous réclamé des quotas annuels d'immigration votés au Parlement ? Combien de fois avons-nous exigé une réforme de l'aide médicale d'État qui va enfin être lancée ? Je pense que le Premier ministre l'a confirmé. Combien de fois avons-nous dit qu'il fallait durcir le regroupement familial bien trop généreux ? Tout cela, nous l'avons imposé, et bien plus encore. D'ailleurs, bravo aussi à toi, Philippe, d'avoir obtenu la création d'un fichier national des mineurs étrangers délinquants pour faciliter leur identification. Là aussi, c'est un enjeu de sécurité. Ce sont des avancées importantes, mais nous voulons aller encore plus loin avec deux exigences. La première, c'est de réviser la Constitution. Éric, tu as défendu ce texte pour nous récemment dans notre niche parlementaire, pour pouvoir déroger aux normes européennes quand notre souveraineté est en jeu. La deuxième, c'est de dénoncer l'accord franco-algérien de 68 sur l'immigration. Si nous devons revenir sur ce traité, c'est pour deux raisons. D'abord parce qu'il facilite les entrées, les regroupements et même les régularisations, et surtout parce que ce traité a une valeur supérieure à nos lois. Nos réformes ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens. Cela crée un flux incontrôlé et nous empêche de retrouver la maîtrise totale de l'immigration. J'ai défendu ce texte à l'Assemblée nationale au nom de notre groupe. Ça m'a valu des attaques violentes de la part des députés de l'extrême gauche. J'ai été personnellement mise en cause, mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'ils s'en sont pris aussi à mon histoire familiale. Et je veux remercier le bureau de l'Assemblée nationale qui a sanctionné les députés auteurs de ces injures. Ce ne sont pas avec leurs invectives et leur agressivité qui me feront renoncer. Je suis fière de ma famille, dont les sépultures sont encore de l'autre côté de la Méditerranée. Fière de ma mère qui était assise face à moi. Fière de mon père qui s'est engagé pour protéger les Français d'Algérie et les Harkis pendant la guerre d'Algérie. Il a reçu l'Ordre national du mérite des mains du ministre des Rapatriés pour l'action qu'il a menée. Ce passé, cette histoire familiale, c'est ma plus grande force. Je ne renoncerai jamais à les défendre. C'est ce qui a guidé mon engagement politique. La justification du gouvernement pour ne pas voter ce texte, c'était la crainte de nuire au réchauffement de nos relations avec le pouvoir algérien. Première nouvelle. Il y aurait donc un réchauffement des relations entre la France et l'Algérie. Sincèrement, je ne m'en étais pas rendu compte. Parce que quand le président algérien nous provoque sans cesse et rétablit un couplet violemment anti-français dans son hymne national, je ne vois pas de réchauffement. Parce que quand le même président algérien refuse de venir en France et préfère se rendre en Russie pour saluer son ami Poutine, qu'il a osé qualifier d'ami de l'humanité, je ne vois toujours pas de réchauffement. Le gouvernement ne peut pas continuer à faire semblant de rien. Comment peut-il encaisser tant de vexations et ne pas réagir ? Nous le savons tous, l'exécutif veut séduire à tout prix le pouvoir algérien. C'est l'obsession du chef de l'État qui a tout tenté pour y arriver. Mais à un moment donné, il faut arrêter de tendre l'autre joue. Nous devons guérir la France de ce syndrome de Stockholm. Puisque j'aborde ici les questions internationales, il faudra aussi veiller à ce que la France reste très solide sur ses convictions et ses engagements. Parce que nous voyons la situation dans le monde, les tensions, le terrorisme, les guerres. Dans cette période cruciale, nous n'avons pas le droit d'être faibles. Ce sont nos libertés, nos souverainetés qui sont visées. Je suis membre de la Commission des affaires étrangères et de la Commission des affaires européennes et je siège également à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN.
Ces engagements m'ont amenée à vivre des moments très intenses, mais parfois très éprouvants aussi. D'abord, en septembre dernier, je me suis rendue en Ukraine pour un sommet international. Notre délégation tenait à apporter un témoignage de soutien à ce peuple qui subit une guerre terrible imposée par le pouvoir russe. C'était très émouvant d'entendre le président Zelensky, que j'admire profondément parce qu'il a eu le courage de rester dans son pays alors qu'on lui proposait de partir au début de la guerre et qu'il fait face à l'agresseur. C'était très émouvant aussi de rencontrer des blessés de guerre et de nous recueillir face au mur des héros. Nous avons reçu une leçon de courage en voyant le sens du devoir de ces Ukrainiens prêts au sacrifice ultime pour leur patrie. Je veux redire l'importance de ce combat. Ce que les Ukrainiens défendent aujourd'hui, ce n'est pas seulement leur pays. Ils défendent aussi l'Europe. Ils défendent aussi nos libertés et nos valeurs. Voilà pourquoi nous devons continuer à les soutenir sans faiblir. Et voilà pourquoi nous sommes fiers au Canet d'accueillir des femmes et des enfants venus trouver chez nous sécurité et sérénité après avoir subi les horreurs de la guerre et perdu parfois un père ou un mari. Mesdames, Messieurs, l'autre déplacement marquant dont je tiens à parler, nous en parlions tout à l'heure avec Annie Fraîche, c'est mon voyage en Israël, quelques jours après l'attaque terroriste ignoble des barbares du Hamas. Eric s'y est rendu également. Et c'est vrai que ce que j'ai vu, et je suppose que nous partageons la même analyse, et ce que j'ai ressenti est vraiment indicible. J'ai vu des blessés, j'ai vu des familles de victimes qui pleuraient leur mort. Je frissonne encore en repensant à ces camps militaires où les corps d'hommes, de femmes et d'enfants étaient placés dans des conteneurs réfrigérés, faute de pouvoir être identifiés. Je frissonne aussi au souvenir du kibboutz de Kfar Aza, dont les habitants ont été massacrés. L'odeur du sang et de la mort nous y a accompagnés à chaque pas. Ces personnes vivaient à moins de 2 kilomètres de la bande de Gaza. Ils étaient en paix avec les Palestiniens qui venaient travailler tous les jours avec eux. Voilà la réalité de cette violence aveugle qui nous a sidérés et a traumatisé tout un peuple. J'ai aussi rencontré les proches des otages. Quel soulagement j'ai ressenti à l'annonce de la libération du jeune Ethan, dont la famille vit à Nice. Aujourd'hui, je pense à tous ceux qui sont encore détenus par ces groupes islamistes. Je pense aussi à Kfir Bibas, ce bébé enlevé à l'âge de 9 mois et dont le premier anniversaire était cette semaine. Nous ne savons pas s'il est encore en vie. Alors nous devons continuer à tout faire et à nous battre pour la libération de tous ces otages qui vivent un véritable enfer. C'est une guerre terrible qui se déroule entre Israël et le Hamas. Bien sûr, c'est tragique et nous souhaitons que ce conflit se termine le plus rapidement possible. Mais il ne faut pas oublier d'une part, ce qui est en jeu, et d'autre part, qui est l'ennemi. Ce qui est en jeu, c'est la survie d'Israël, qui se bat contre des forces qui n'ont qu'un seul objectif, l'extermination pure et simple de ce pays et des Juifs partout dans le monde. Quant à l'ennemi, ce sont bien des terroristes fanatiques et radicalisés qui veulent imposer la domination de leur idéologie mortifère. Ce sont les mêmes qui ont commis l'attentat du Bataclan et l'attentat de Nice. Les mêmes qui ont encore récemment assassiné des professeurs parce qu'ils voulaient enseigner la laïcité. Voilà pourquoi le Hamas doit être vaincu. Tant qu'il sera là, aucune paix ne sera possible. Et je dénonce sans détour le comportement de l'extrême gauche indigne. Monsieur Mélenchon et ses amis, allié objectif des islamistes qui refusent de qualifier le Hamas de groupe terroriste. Monsieur Mélenchon et ses amis qui livrent en pâture des personnalités sur les réseaux sociaux simplement parce qu'elles sont juives. Voilà où on en est arrivé avec ce parti dont la seule boussole est la haine. Ce parti qui fait sauter les digues de l'antisémitisme. Ce parti qui avait déjà refusé de dénoncer les violences urbaines quand les centres-villes étaient saccagés. Ce parti qui entretient aussi depuis des années une haine anti-flic totalement honteuse et révoltante. Eh bien, moi, aujourd'hui, plus que jamais, je veux redire mon soutien à tous ceux qui nous protègent.
Merci aux policiers, aux gendarmes, aux soldats, aux pompiers, à tous ceux qui veillent sur nos libertés avec tellement de courage. Merci, j'admire toujours leur sens du devoir. Merci aux personnels soignants qui font tellement pour notre santé, malgré le manque de moyens. Merci aussi aux professeurs qui sont en première ligne du combat pour l'apprentissage et qui méritent bien plus de reconnaissance. À travers cet hommage à nos héros du quotidien, j'ai évoqué des priorités pour la France. La sécurité, la défense, la santé, l'éducation. Ce sont les piliers de notre nation. Ils sont fissurés et j'espère sincèrement que le nouveau gouvernement aura la volonté de les consolider sans faiblesse. Pour ma part, je continuerai à m'engager chaque jour pour défendre mes convictions. Et je continuerai aussi à m'engager chaque jour pour défendre l'héritage de la France. Comme moi, vous en avez assez de ces attaques contre nos racines, notre culture et notre patrimoine. Dans notre France, on n'interdit pas les crèches de Noël et on ne déboulonne pas les statues religieuses. Dans notre France, on n'interdit pas aux mairies d'ajouter le mot laïcité sur le fronton de leur école. Dans notre France, on ne renonce pas à célébrer les grands hommes par peur de déplaire à des minorités agissantes. Et dans notre France, les enseignants ne sont pas menacés parce qu'ils montrent une œuvre d'art. Arrêtons d'avoir honte de nos valeurs. Arrêtons de cacher nos symboles et arrêtons de censurer la France. Nous n'avons pas de cadeau à faire à ces intégristes qui veulent imposer la charia. Pas de cadeau à faire à ces wokistes qui veulent réécrire notre histoire et effacer notre culture. Parce que quand on se renie et qu'on renie son passé, on perd son avenir. C'est absurde de vouloir juger le passé avec les lunettes du présent. Nous nous sommes fiers de la France, pour ce qu'elle est. Un grand pays qui a fait souffler un vent de liberté qui a changé le monde à tout jamais. Depuis des années, on voudrait nous faire croire qu'aimer la France, c'est dépassé. Qu'être patriote, c'est démodé. Qu'être attaché à nos valeurs, c'est pour les réactionnaires. Des prétendus artistes et des chroniqueurs politisés nous font la leçon en permanence. Rendez-vous compte où nous en sommes arrivés. Dans quel autre pays voit-on cela? Et comment pouvons-nous attendre de ces jeunes générations qu'elles aiment la France si nous ne sommes pas plus capables de leur montrer à quel point nous, nous en sommes fiers? Voilà le plus beau défi pour 2024, remettre la France dans le cœur de tous nos concitoyens. Et pour ça, la France doit s'apprendre et se réapprendre. Dès l'école, partageons nos symboles. Le drapeau aux trois couleurs qui représente l'alliance de la nation. Notre devise de liberté, d'égalité, de fraternité, qui donne à chaque Français les mêmes droits, les mêmes devoirs, et cet esprit de solidarité sans pareil. Notre hymne national, cette Marseillaise autour de laquelle nous sommes tous unis. J'y ajouterai notre langue magnifique, parlée par plus de 300 millions de personnes dans le monde. Et j'y ajouterai aussi notre peuple, le peuple français. On nous dit parfois trop critique, c'est un peu vrai. Souvent insatisfait, c'est sans doute aussi vrai. Mais surtout, nous sommes un peuple libre, un peuple souverain, un peuple vaillant et combatif. Un peuple courageux et inventif. Tant de fois la France aurait pu s'effondrer, et elle s'est toujours relevée, plus forte. Parce que nous avons en nous une capacité de résistance inouïe. Nous avons en nous une force incroyable. Nous avons en nous une certitude. Quand la France est unie, rien ne peut l'arrêter. Alors à nous d'agir. À nous de briser la spirale du déclin, à nous de refuser la fatalité, à nous de choisir la voie du renouveau. Oui, mes chers amis, à nous tous ensemble, avec notre amour de la patrie, avec notre attachement à notre si belle et si grande nation, de faire à nouveau rimer France avec espérance. Mes chers amis, je vous souhaite pour 2024 le meilleur, pour vous, pour les vôtres, bien entendu,
pour notre ville, pour notre département et pour la France. Soyons forts tous ensemble. Vive le Cannet, vive notre territoire et vive la France.